La demi-finale catégorie des mini-novices. Les quatre premiers vont en finale avec à l'issue de ce tour. Avec pour l'instant les pilotes de Tresse. Elles étaient tous ensemble dans les manches. Ils sont maintenant côte à côte dans cette demi-finale. Il y a donc Tresse 5 victoires. Paulin Ferrandino, Jérémy Laston. Mais également Antoine Cotacioni, nous sommes dans la rive 213, deuxième ligne droite. Voilà les trois traits de soi, aux trois premières places, et j'entends pas les supporters de presque 5 victoires. Je ne sais pas ce qui se passe, en tout cas, victoire du quatrième également, avec Mathias Giannoli, alors qu'on attaque avec le numéro 15, Tom Escardier, pour la quatrième position, mais le club de Vitrol résiste Mathias Giannoli, et devrait se qualifier en finale, derrière les trois pilotes de Tresse, 7 victoires, et ça a failli cartonner un petit peu, la Vitrol en table. Et dans cette deuxième demi-finale, on va compter évidemment sur Baptiste Aparicio, le pilote de Cordillon, la deuxième place pour 77 par Louis Poirier, pour presque 5 victoires. Petit écart sur le deuxième obstacle, mais finalement, 13 ne s'en sort pas trop mal. Alors Cordillon a quelques longueurs d'avance déjà, Baptiste est en tête dans cette deuxième ligne droite devant les deux Tressois, avec les trois de tout à l'heure, ça en fait 5 en finale dans cette catégorie des mini-novices. Quatrième position pour entre choix avec Justin Pelot. Justin qui, juste au titre, est allé prendre la roue du pilote de Tresse pour éviter de prendre l'intérieur et perdre du temps. Voilà, pour l'instant, ça paye. Il prend même l'entrée toute même pour se faire un petit inter-ester. Ester, inter, pardon. Et ce inter-ester, on est qualifié pour la finale.